Chapeau de canotier bien vissé sur la tête, artiste peintre le pinceau à la main, petite mélodie jouée par un accordéon, il planait comme un air du déjeuner sur l'herbe de Manet, dimanche 14 juin sur les berges de Seine à Courbevoie. En effet, la municipalité organisait la première édition de Dimanche en Seine. Pourquoi Dimanche en Seine à Courbevoie? Tout simplement parce que nous avons la chance d'avoir la Seine à Courbevoie. Donc notre idée, c'était de rendre la Seine aux habitants. Et pour rendre la Seine aux habitants, nous souhaitions bien entendu avoir un espace de loisirs, un espace de détente, un espace de promenade. Tout le monde se retrouve avec bonheur auprès de la Seine et bien entendu à Courbevoie. Et pour rendre ces berges encore plus agréables à vivre, la ville a mis en place de nombreuses animations dans le cadre de cette toute nouvelle opération. Au programme, jeux de société en accès libre, tables de ping-pong, badminton, croquets, activités manuelles, restauration ou tout simplement farniente et pique-nique en famille. On vient d'habitude faire des petites promenades et puis là on a profité des animations pour faire un pique-nique en famille et puis faire des jeux avec les enfants sur la pelouse et bonnes animations. Voilà, passer un bon moment et rencontrer aussi les gens du quartier. Alors on habite pas loin, on savait pas trop quoi faire aujourd'hui et on s'est dit tiens, c'est l'occasion de découvrir un petit peu les berges de Courbevoie. Alors, on a vu qu'il y avait des animations avec des jeux pour les enfants, donc on est venu profiter du soleil et des jeux. Au menu également de ce dimanche détente, une activité danse organisée par l'association courbevoisienne Chatswing. Activité très appréciée par les promeneurs qui ne s'attendaient pas forcément à danser quelques pas de Madison ou de rock sur les quais face à la Seine. En fait, je suis venue avec une copine qui connaît très bien le club. Et voilà, elle m'a dit qu'elle venait. Je trouve que c'est sympa, avec le beau temps, c'est agréable. Je trouve ça vraiment sympathique. Je trouve que c'est super d'avoir des associations aussi qui viennent montrer ce qu'ils font toute l'année et qui permettent à chacun de découvrir, danser, c'est bien. Cette première édition de Dimanche en Seine a déjà remporté un joli succès auprès des courbevoisiens, un succès qui en appelle d'autres. Très bonne initiative, en plus c'est juste à côté de la maison, il fait beau, il y a de la musique, c'est très sympa en tout cas. C'est chouette, ça dynamise un petit peu les berges de Seine et ça donne une bonne ambiance pour la ville. Je trouve que c'est vraiment sympa. Ça crée une vie de quartier sympathique, c'est une bonne initiative de la municipalité. Ce que l'on espère arriver, c'est faire un rendez-vous des Dimanches en Seine, que les gens puissent s'y retrouver, que les gens puissent se rencontrer, échanger les idées, nous amener également leurs idées sur les améliorations que l'on pourrait faire. Et c'est un lieu qu'on veut convivial, qu'on veut familial et sur lequel on espère que les gens sauront rester et s'y plaire. L'opération Dimanche en Seine, c'est tout l'été, un dimanche sur deux jusqu'au 13 septembre, sur la Promenade Bleue.